Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source spécial aujourd'hui puisque ce 22 mai marque le 1000e épisode de votre podcast, 1000e épisode depuis son lancement il y a tout juste 4 ans, en mai 2019. Alors pour cet anniversaire, nous vous proposons une surprise. Nous avons un invité de marque, l'un des animateurs préférés des Français sur TF1 depuis 2018 et qui s'est imposé depuis comme une figure incontournable de la première chaîne. Animateur de Danse avec les Stars, Masked Singer ou encore Qui veut gagner des millions, Camille Combal. Camille Combal qui va nous raconter aujourd'hui son parcours, comment il en est arrivé là. Alors qu'au départ, le milieu de la télé lui semblait bien loin dans la station de ski où il a grandi dans les Hautes-Alpes. Épisode enregistré dans les conditions du direct, en public, à l'auditorium du Parisien, 150 personnes au total, dont plusieurs dizaines d'auditeurs et d'auditrices de Code Source, qui se sont inscrites par internet le 27 avril sur leparisien.fr. Bonjour Camille Combal. Merci de me recevoir. Bonjour à tous les auditeurs du podcast, à tous les gens qui sont venus ce matin. Merci d'être venus. C'est dingue d'entendre Jules Lavie dire « C'est Jules Lavie pour Code Source ». En vrai, j'écoute tous les jours all day long et là, il le fait devant moi, Jules. Bravo. Mais vraiment, non, je suis très heureux de venir parce que vraiment, sincèrement, j'ai eu l'invitation et donc j'ai accepté immédiatement parce que c'est mon podcast référence. Voilà, j'écoute tous les soirs et donc sans faire offense aux équipes de Code Source, c'est aussi ce qui m'endort un peu. Pas du contenu, mais c'est je l'écoute à l'heure à laquelle je vais pour m'endormir et donc j'entends pas toujours la fin du podcast, mais en tout cas, c'est ce que j'écoute en m'endormant tous les soirs. Vous êtes ma berceuse. Eh ben merci pour ça. Votre actualité, c'est la saison 5 de Masked Singer que vous présentez sur TF1 depuis le 14 avril. Masked Singer, ce jeu où des stars chantent cachées dans des déguisements improbables du cupcake au lama en passant par la licorne, la sorcière ou encore la biche et la chenille. Salut à la maison, vous êtes hyper ponctuel, mais oui c'est Masked Singer, ça démarre, venez, bienvenue sur le plateau. On avait tellement hâte de vous retrouver à la maison pour passer la soirée tous ensemble. Que vous soyez tout seul en famille, entre amis, ce soir, sur ce plateau, vous allez voir un Jeff Panaclock, un zèbre, une Élodie Frégé, une méduse, un Kev Adams et même un chameau ce soir. Et même un chameau. Alors, depuis le début de cette nouvelle saison, Camille Combal, quel moment vous a le plus marqué ou amusé cette année ? De cette saison, de toute façon, toutes les saisons sont différentes. Il y a un petit peu des changements d'enquêteurs un petit peu tous les ans. Donc, on retrouve une autre dynamique. Et franchement, on s'amuse avec les personnages. Je crois que les gens à l'intérieur des personnages ont compris qu'il fallait vraiment pas seulement interpréter une chanson, mais vraiment prendre possession voilà, du perso. Donc, c'est assez amusant à faire en plus. Et puis surtout, ce qui me plaît dans cette émission, c'est que vraiment, on l'a réfléchi comme ça, on l'a fait comme ça, c'est qu'elle plaît énormément aux enfants, enfin en tout cas j'espère, et je me revois enfant regarder la télé, il y a un truc un peu fascinant, donc c'est vraiment cool, ça n'a pas d'autre prétention que voilà, d'amuser toute la famille, avant tout les enfants. Ouais. Camille Combal, votre autre actualité, c'est votre participation au feuilleton Besoin d'amour, qui est diffusé sur OCS, vous participez à 3 épisodes en tant que comédien, quel rôle vous jouez dans ce feuilleton ? Alors je joue... C'est pour ça qu'on a pensé à moi. Je joue un comédien vraiment raté. Pas raté, mais un comédien qui est persuadé d'être un comédien dingue, alors que vraiment, il joue que dans des séries pas dingues. Donc voilà, c'était très sympa. C'est une série avec deux et avec Frédéric Hazan. Il y a Clémentine Célarier, il y a Gérard Jugnot, il y a Ariel Mallet et plein d'autres comédiens brillants. Et donc voilà, ça va arriver sur OCS et c'est une expérience très cool. Alors, vous allez nous raconter votre parcours aujourd'hui dans Code Source. Vous êtes né le vendredi 18 septembre... Un vendredi ? Je ne savais même pas. J'en étais sûr que j'allais vous l'apprendre. Ah ouais ? Le vendredi 18 septembre 1981, à Gap, dans les Hautes-Alpes, vous grandissez dans le chalet-restaurant que tiennent vos parents dans la station de ski et des Ors, dans le même département des Hautes-Alpes. D'abord, décrivez-nous les lieux, ce restaurant et les environs. Ah, c'est un endroit merveilleux, on dirait sorti d'une carte postale. C'est ce que vous connaissez tous ceux qui ont la chance d'aller au sport d'hiver. C'est vraiment ça, l'hiver. Et puis, à l'intersaison,
c'est Disneyland version G. On avait accès à tout. Toute une station était à nous avec les quelques enfants de la station. Mes parents commençaient avec un tout petit hôtel-restaurant en face de notre chalet dans lequel on vivait pendant longtemps. On avait des chambres en haut. Ils avaient pris des petites chambres en haut et on avait réuni deux chambres pour faire notre appartement. Parce que mes parents démarraient vraiment de tout en bas. Et donc, tout doucement, ils ont réussi à faire des affaires voilà, et en étant restaurateurs et hôteliers et à grandir au fur et à mesure dans cette station, qui est géniale. Justement, vos parents, Evelyne et Henri, ils sont comment ? Diriquet. Personne l'appelle Henri. C'est ça, tout le monde. C'est Riquet. Il est comme les mafieux. Personne il a un surnom. Il s'appelle Henri. C'est comme chez les Sopranos. Il a un surnom. Je sais pas pourquoi. Et ils sont comment ? Vous les voyez comment quand vous êtes enfant ? On les voit déjà pas énormément parce qu'ils travaillent énormément et donc on les voit comme des gens débordés. Et surtout comme des gens qui, pendant toutes les vacances, eux, c'est le moment où ils travaillent. Donc, en fait, on n'a jamais de vacances avec mes parents. Les seuls moments où on partait, c'était aux vacances de la Toussaint. Donc, on partait, mes parents, ils essayaient. Donc, ils faisaient attention avec leurs économies. Ils essayaient de nous envoyer un peu à la mer. Donc, on allait vers Juan-les-Pins ou je ne sais pas quoi, dans un hôtel Tropico. Avec, je me rappelle très bien, l'hôtel Tropico où on ouvrait les placards. Ma mère, à peine arrivée, il fallait qu'elle tue 5 cafards. Pardon pour les patrons du Tropico, mais c'est vrai. Et donc, on allait à la période de la Toussaint, au moment où c'est impossible de se baigner. L'eau, elle est à 14 et tout. Mais c'est le seul moment où on pouvait avoir des vacances avec mes parents. Sinon, ils faisaient que travailler. Et sinon, c'est des parents formidables. Voilà, hyper aimants, tout ça, mais débordés, beaucoup de boulot, quoi. Et avec votre frère Clément, vous aidez vos parents dans le restaurant. Vous faites quoi concrètement ? Alors, on démarre vraiment, là, vraiment, les prud'hommes, ils vont se régaler avec ce passage. Parce que je crois que j'ai commencé à faire les desserts et la plonge peut-être à 12 ans dans le resto de mes parents. On travaillait beaucoup, on aidait. Et vraiment, on avait le coup de fil. On avait un coup de fil genre à 19h en train de faire les devoirs ou en train de regarder la télé. Enfin, j'en sais rien. Donc, mes parents étaient au resto. Et d'un coup, le téléphone sonnant, on disait « Ah non, c'est pas possible, c'est qu'il y a du monde. » Et donc, même pendant les périodes scolaires, quoi, ils nous appelaient, ils disaient « Il y a trop de monde, faut vite venir nous aider. » J'ai pas vu la finale de la Coupe du Monde 98 parce que j'étais en train de faire les desserts au resto de mes parents. C'était blindé de monde, tout le monde venait voir le match. Et donc, j'étais en train de faire des coupes pêche-mêle-ba, là. Et j'ai jamais vu les buts de Zidane et tout, je n'ai jamais vu ce match. Votre père, votre papa, Riquet, il fait rire tout le monde, visiblement. Ouais. Mais il est derrière son bar, c'est lui qui fait l'ouverture. Donc mon père faisait l'ouverture avec tous les moniteurs, les pisteurs qui arrivaient, les premiers touristes aussi. Et donc oui, les gens ils venaient plus pour voir mon père que pour vraiment boire un café. Donc il y avait toute une ambiance. Mon père oubliait d'encaisser tout le monde, ce qui rendait fou ma mère. Parce que ma mère arrivait à 11h, alors elle allait voir à sa caisse qu'il n'y a rien qui avait été tapé. Il y avait un pot avec plein de pièces dedans, c'était tous les cafés du matin et tout. Ça aussi, ils vont adorer les impôts. Mais du coup, il n'avait rien tapé, tout était dans des trucs. Bon, bref, c'était deux écoles très différentes, deux visions de la restauration très différentes. Pour aller au collège, il faut prendre le bus, le collège et le lycée, j'imagine. Ouais. Aller et retour, ça fait environ 1h30 de route par jour. Et le chauffeur du bus écoute la radio. Le chauffeur du bus, il s'appelle Jamel. Il est déjà très sympa parce que, comme aujourd'hui, je n'étais pas du matin du tout, ni mon frère. Et là, il nous attendait des fois jusqu'à un quart d'heure, donc il mettait tout le monde en retard, pour qu'on puisse prendre le bus. Et là, à l'intérieur de ce bus, Jamel écoutait tous les jours le Festival Robles sur Énergie, avec la Robles Bank, et avec les rendez-vous, c'est là que je me suis rendu compte, les rendez-vous à l'heure précise, exactement. Et donc nous, dans le bus, on savait si on était en retard, en fonction du jeu de la Robles Bank, je savais à peu près où on était sur la route, et on savait si on était en retard. Et par contre, vous avez vu la télévision, je crois, un peu tard, c'est ça, dans votre maison ? Non, ça va, quand même. J'ai lu ça dans un article. Et il nous a pris pour les Ingalls. Ma mère, elle faisait des tartes aux pommes. On avait la télé. On n'a pas eu M6 avant longtemps. Parce qu'on est très encaissé dans les montagnes. Et donc, il fallait la parabole. Et mon père était radin. Il n'a pas voulu nous mettre la parabole. Donc, on n'avait que la 1, la 2, la 3. Donc, moi, j'ai pas grandi avec La Petite Maison dans la Prairie, Dr. Quinn, femme médecin, la trilogie du samedi, Buffy contre les vampires. Ça m'est passé au-dessus de la tête. J'ai pas eu toutes ces ambiances. J'étais très TF1, France 2, France 3. Le maximum, moi, c'était 4 size. Renard, les trucs comme ça. Et après, c'est arrivé parce que mon père, il a fini par mettre la parabole. Et donc, qu'est-ce qui vous fait rire quand vous êtes ado, que ce soit à la télé, à la radio ou au cinéma ? Qu'est-ce qui vous fait le plus rire ? Ado, je me revois, j'ai plus trop les âges, je pense que je suis au lycée quand même. Je me revois courir comme un dingue après le collège, après le lycée, pour essayer d'attraper la fin de la grosse émission. Et après, très vite, ça a été Édouard Baer aussi, que j'ai absolument une fascination absolue pour Édouard Baer, Alain Chabat aussi, tous ces gens-là que je revois, mais du coup un peu tard, j'ai découvert un petit peu tard. À ce moment-là, est-ce que vous rêvez déjà de faire rire les gens à cette période ? Ouais, je crois que j'ai toujours voulu faire rire les gens. Après, je sais pas si je les fais rire, mais en tout cas de les divertir, de les amuser, ouais, c'était mon premier but, ouais. Pas spécialement de faire de la télé du tout d'ailleurs. Et pourquoi du coup ?
Je sais pas. Il y a peut-être deux trucs. Ok, on va se psychanalyser l'auditorium. Ça va être un peu fou. Non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois parce que c'est ce qui m'a tout de suite attiré, ce que je regardais à télé, c'est vraiment les choses qui étaient divertissantes, amusantes. Et puis je pense que aussi mon père était tellement un personnage que je me dis il fallait que je sois peut-être quelque chose pour être pas simplement le fils de mon père qui était vraiment chez moi dans n'importe qui dans le département. Vous parlez de Riquet, à peu près tout le monde sait qui c'est, quoi. Il est juste en dessous de Luc Alphand. Vous voyez, dans les Hautes-Alpes, il y a Luc Alphand, c'est vraiment le numéro 1. Le grand skieur Luc Alphand. Et juste derrière, il y a Riquet. Au niveau scolaire, vous assurez toujours le minimum, visiblement entre 10 et 12 de moyenne. Et à la fin des années 90, j'imagine en 98... C'est hyper blessant ce que vous avez dit. À la fin des années 90, c'est pareil. Mais c'est une vraie info, donc c'est moitié blessant. Parce que vous l'avez dit comme si c'était un constat un peu de nullité scolaire. Mais je sais que je l'ai dit, c'est sourcé. Il y a une mention à venir. À la fin des années 90, vous décrochez votre bac ES économique et social avec mention assez bien. Ah, il y a quoi là, Jules? Là, il y a quoi là? Oh, ça applaudit là-bas, merci beaucoup. Oui, alors mention, c'est vraiment un hasard du calendrier parce que vraiment, ouais, j'étais pas foufou à l'école, mais j'étais conscient qu'il fallait finir l'école, mais c'était pas mon truc qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai fait le choix. De par mes connaissances et par facilité d'être dans une zone où on n'attendait pas grand chose de nous. 10-12, on est laissé tranquille et en même temps on se dit pas, tiens, il faut qu'il fasse des grands trucs, on a des grands projets pour lui. C'est en mode, bon, il prendra une pizzeria dans la station, ça ira très bien. Et il faut que, voilà, juste il arrive à niveau scolaire, le bac, tout ça. Et j'ai complètement oublié la question. La question, c'était... mais c'était pas de question, en fait. On parlait de la mention assez, bien, assez bien. Et de cette zone de confort 10-12... Parce qu'au bac éco, il y a une discipline qui est économie sociale. Mm-hmm. Et là, j'adorais cette matière et j'ai tapé 16 au bac qu'au F9. Donc, malgré tout, avoir que la plus petite mention avec ça qu'au F9, je vous laisse imaginer le reste des notes éclatées contre un mur. Je crois que j'ai eu 4 en maths, des trucs horribles, horribles, dégueulasses. Mais le 16 m'a amené jusqu'à la mention. Vos parents sont prêts à vous soutenir dans votre rêve d'essayer de faire rire les gens, mais à une condition, c'est de valider d'abord 3 ans d'études. Obligate. Du coup, vous étudiez le management à Aix-en-Provence. Votre diplôme de management en poche, vos parents vous aident à vous installer à Boulogne, tout près de Paris. Évidemment, à chaque fois, vous me dites s'il y a une erreur, une coquille dans ce que je dis. Aucune coquille. Donc, ils vous aident à vous installer à Boulogne, tout près de Paris. Ils vous emmènent en voiture. Vous êtes à l'arrière et puis il y a vos sacs dans le coffre. Et là, quel est le plan, en fait, quand vous arrivez à Paris? Quelle est l'envie, quelle est l'idée? L'idée, moi, je monte faire de la scène. Je monte tenter ma chance, faire de la scène, tout ça. Donc, j'essaie de trouver un petit boulot. Je monte pour faire de la scène à Paris. Du stand-up? Je monte pour ça, à la base, ouais. Vous faites de la scène? Donc, concrètement, vous allez sur quelle scène et comment ça se passe? On fait les scènes ouvertes. Hein. C'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le Tremplin. Il y a plein de choses. Il y a le Barbès Comedy Club, il y a des trucs super, le Fridge, tout ça. À l'époque, c'est pas pareil. Mais il y a quand même le point virgule qui ouvre, tout ça. On fait des petites scènes, on n'a pas la chance. Il n'y a pas le Paname, il n'y a pas tout ça à l'époque. Hein. Donc, là... c'est vraiment le jeudi soir, c'est ouvert pour tout le monde et chacun fait son... Il y a des soirs, c'était un quart d'heure, mais moi, j'allais jouer que des 5 minutes. Il y a des soirs où c'était des 5 minutes, quoi. Et c'était nul. J'étais nul. C'était dur, mais c'était pas compétitif comme aujourd'hui, je crois. C'était quand même vraiment le début de ça, du stand-up, tout ça. Donc, il y avait assez peu de scènes ouvertes. C'était beaucoup des gens qui jouaient des personnages aussi. Et donc, voilà. Et c'était mes débuts, quoi. C'était pas ouf. Et il y a un moment où vous abandonnez cette idée d'être humoriste? J'ai la chance de pouvoir intégrer Fun Radio. Et ils me prennent en stage. Et en fait, en stage, il y a deux choses. C'est que déjà, ça devient concret. Moi, je suis fils de commerçant, petit-fils d'agriculteur. Et tout d'un coup, ça devient concret. C'est un travail tous les jours au quotidien qui est un petit peu rassurant. Et ça me permet de me lancer. Après, je crois que je fais 2 ans et demi de stage ou un truc comme ça. C'est ça. Et donc, vous êtes au service cadeau, visiblement, à Fun Radio. C'est apparemment pas le même étage que... l'étage où il y a le studio principal. À ce moment-là, vous rêvez, j'imagine, de faire de l'antenne? Moi, je me rappelle, j'arrive à Fun Radio, et à l'époque, à Fun Radio, je vois qu'il y a plein de jeunes, peut-être que vous n'avez pas connu, mais vous vous rappelez de Arthur sur Fun Radio? Le roi Arthur et tout ça, c'était une émission de dingue. Franchement, radio, on n'a pas fait mieux, c'était dingue. Et donc, ça se passait un étage au-dessus de moi. C'est un peu comme si là, on est à l'auditorium ici, vous me voyez moi, et vous savez qu'au-dessus, il y a un concert de Jay-Z. Et vous dites, gars, je suis pas au bon étage. Et ben moi, c'était ça. Donc, j'envoyais tous les jours des compiles, je sais pas quoi, Soul and Dance et tout ça, machin. À cette période, tous ceux qui ont reçu leurs compiles, c'est complètement de ma faute. Donc, j'envoyais les courriers comme ça. Et je savais qu'au-dessus, c'était l'Eldorado. C'était pas spécialement de faire de la radio, mais faire de l'humour, amuser les gens, divertissement.
Et donc, mon seul objectif, ça a été de regagner l'étage du dessus. Et d'un mot, pendant ce stage, vous faites tout pour vous rendre utile, pour vous rendre indispensable, pour faire rire aussi les gens que vous croisez dans les couloirs, c'est ça? Bah là, j'ai un stage très précis de 3 mois à peine. Et donc, moi, mon but, c'est d'arriver à l'antenne. Et après, une fois que je suis arrivé à l'antenne, j'ai plus jamais lâché le stage. Ouais. Mais justement, comment vous avez fait pour arriver à l'antenne? J'ai menti. C'est-à-dire? J'ai vraiment fait un faux CV. J'ai fait complètement un faux CV, c'est qu'il y avait la rédac à l'étage de Fun Radio, il y avait donc tous les étages du divertissement, les animateurs, tout ça, et dans un tout petit bureau, la rédac. Et là, il y a un stagiaire qui s'en va, un stagiaire journaliste en école de journaliste qui s'en va. Et donc moi, je vais vite les voir et je dis « Ouais, moi, vas-y, je prends sa place et tout, c'était faire des micro-trottoirs dans la rue et tout, je le fais. » Il me dit « Mais vous êtes journaliste ? Enfin, t'es journaliste ?» Je dis « Bien sûr, je suis journaliste, t'es dans une école de journaliste ?» Il dit « Mais bien sûr, une école de journaliste, super, laquelle ?» À Marseille, là, journalisme Marseille, là. Donc je pars vite, je demande à des potes de me faire un graphiste, de me faire un faux CV et tout machin, comme quoi je sors de l'école de journalisme. Et donc ils me prennent en stage. Au bout de quoi, une heure, ils se rendent compte que je suis pas du tout journaliste, parce qu'ils me demandent d'écrire des flashs. Tout ça, je sais pas du tout faire. Je sais pas ce qu'est un chapeau, je sais pas ce qu'il accroche, je sais rien du tout. Et donc ils disent, bon, t'es tellement motivé, on va te former, on va t'apprendre. Et je fais 3-4 mois à la rédac, et après j'arrive à arriver à l'antenne. Et là, ouais, vraiment, là, je m'accroche. Et comment vous arrivez à l'antenne? Apparemment, il y a une place qui se libère, donc c'est en janvier 2005, il y a un concours de circonstances, quoi. Ah là, c'est comment j'arrive animateur. Oui. D'abord, je fais stage, mais pendant 2 ans, je vais chercher les croquettes du chien du patron, je monte les émissions, je fais tout. Franchement, je fais tout ce que je peux pour essayer de garder mon stage et d'être un peu indispensable humblement à la radio, à Fun Radio. Et un jour, donc vous voulez savoir comment j'arrive à l'antenne? Oui. Ah, l'histoire, pareil. Mais la vie, c'est que ça. La vie des médias, c'est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. C'est que des momentum, en fait. Et donc, moi, je suis en vacances, on est le 5 janvier. D'accord. Moi, je suis en vacances chez mes parents, au sport d'hiver, sans doute en train de faire la plonge. Et donc, je suis chez mes parents au sport d'hiver, enfin, à la montagne. Et mon téléphone sonne. Et là, c'est Gaël Sanquer, qui est aujourd'hui le patron d'Énergie, qui me dit, voilà Camille, tu vas faire de l'antenne. On remplace, à l'époque, il y avait Max, le Star System, qui s'arrête après des années d'immenses succès, animateur vraiment brillant. Et donc là, il l'arrête. Et quand il l'arrête, ils disent, bon, on va mettre une autre émission, on met une fille et un co-animateur. Pas moi du tout. À aucun moment, je suis dans leur plan de combat. Rien à voir. Je suis pas du tout là. Et le gars qui doit venir 2 jours avant dit bah en fait je viens pas, j'ai une clause de non-concurrence, je peux pas venir, bref je sais pas trop, je sais même pas qui c'était moi. Et donc il m'appelle, il dit bah qui on va prendre? Bah on va prendre le mec qui fait rire dans les couloirs. Et je me rappelle que quelques jours avant, parce que je m'étais excusé parce qu'on faisait du skate dans les couloirs et j'avais pété la vitre de Gaël Sanquer, justement le patron. Mon skate avait traversé sa vitre, avait pété sa vitre. Donc j'avais fait des blagues pour essayer de m'en sortir tout ça avec la peur de me faire virer. Et là tout d'un coup il me dit bah tu viens à l'antenne et bah tu commences le 5 janvier. Et là je me retrouve au bout de 2 ans et demi de stage, encore un petit coucou à l'URSSAF, je me retrouve au Prud'homme, pardon, pourquoi j'ai dit l'URSSAF au Prud'homme. Et donc je me retrouve à l'antenne là pas du tout prévu au bout de 2 ans, 3 ans que je rêvais de faire ça. Et vous dites quoi justement quand vous êtes à l'antenne? Franchement, je bosse comme un fou. Je me dis, il faut absolument... voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir avoir un micro, donc il faut bosser à fond. Mais j'essaie de réfléchir à tout, parce que j'ai une chronique dedans, donc d'essayer de bien faire ma chronique, tout ça et tout ça. Et au bout de 3 mois d'antenne, Énergie m'appelle pour remplacer Manu Payet dans le 6-9 d'Énergie. Et là, votre carrière est lancée. Vous débutez ensuite l'animation télé sur Énergie 12 sur la TNT. Vous travaillez ensuite sur Virgin Radio, puis Europe 1 avec Michel Drucker, puis Cyril Hanouna. Et justement, à partir de 2012, vous êtes chroniqueur pour Cyril Hanouna au moment où son émission « Touche pas à mon poste » quitte France 4 pour D8, qui va devenir C8. Au tout début, c'est une petite émission finalement qui fait relativement peu d'audience. TPMP ? En fait, ça arrive de France 4. C'était en deuxième partie de soirée sur France 4 et ils disent bah, on va en faire l'accès du gratuit parce que l'équipe de Canal ont récupéré donc Direct 8 qui va devenir D8 et quand on part tous dans cette aventure, Cyril, moi, tous les autres chroniqueurs, mais même nos patrons, on ne sait pas encore si la chaîne va vraiment exister puisque le CSA n'a pas donné son go. On est tous en train de miser sur un truc, préparer une émission qui peut-être verra pas le jour. Et donc, c'est un moment assez, assez dingue et trop cool. Et on se retrouve à faire cette émission qui, en effet, trouve son public au fur et à mesure, tout doucement. Et je me rappelle, il y a des concurrents et confrères sur les autres chaînes que tout doucement, bah, on regarde en haut en disant « Oh là là, là là, ils marchent !» Et on les rattrape, voilà, et au fur et à mesure, jusqu'à connaître le succès qu'on a connu dans « Touche pas à mon poste ». Et dans cette émission, vous réalisez chaque jour une chronique de 5 minutes intitulée « Le poste de surveillance de Camille Combal ». On retrouve tous les enfants.
l'ancien d'Hélène et les garçons, on les adore évidemment, voilà, il y a José, il y a Cricri d'amour, ils sont tous là. Il n'y a qu'une chose dans cette série, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé Patrick, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, voire trop. Regardez, j'ai jamais vu autant de prénoms cités en si peu de temps, j'étais perdu. Je vais finir par appeler les flics, moi. Putain, Hélène, on sait pas où. Et Nico et Ingrid qui se font enlever, ta sœur qui se fait taper dessus. T'as le numéro de John ? Non. Mais j'ai pas celui de Fanny non plus. Tu veux que j'appelle Christian ? Je vais rappeler John. C'est le prénom ! C'est vrai que ça fait beaucoup de prénoms. Rappelez-nous ce qu'est le poste de surveillance, ce rendez-vous, et est-ce que ça demande comme travail au quotidien ? Le poste de surveillance, c'est une chronique qui a démarré qui faisait, je pense, 3-4 minutes. On surveillait toute la télévision, donc des choses que peut-être on a vues, traitées avec notre regard, et puis aussi des choses qu'on allait trouver, dénicher dans le monde. On allait aussi trouver des images très anecdotiques, parce qu'il y avait peut-être un sosie de Jules quelque part. On aurait dit, bah, regardez, il y a le sosie de Jules au fin fond là-bas dans l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de gens qui vous ressemblent à l'Assemblée nationale. Et donc, on se faisait, voilà, on allait trouver de l'image anecdotique ou traiter une image forte. Voilà, c'était ça. Et c'est un gros boulot. C'est énormément de... c'est du travail, mais c'est pas vraiment du travail, parce que quand je dis c'est comme à la radio, quand je dis que j'ai beaucoup travaillé, en effet j'ai beaucoup travaillé, mais moi j'ai grandi avec des parents qui faisaient un métier très très dur, comme plein de gens qui nous écoutent là, et qui faisaient autant d'heures que moi, avec un métier très pénible, donc voilà, on va pas trop se plaindre quand même, mais oui, ça faisait beaucoup de temps, parce que je dis tout le temps, je dis on est tellement des privilégiés, on a tellement de chance, il y a tellement de gens qui aimeraient faire ce qu'on fait, que si on a une chance à un moment donné d'avoir un micro tendu ou une caméra pour regarder, mettre en lumière notre travail, la moindre des choses, c'est de le travailler de tout notre cœur le plus possible. Et c'est ce qu'on a fait avec, c'est toujours mon bras droit aujourd'hui, avec Abdoul et après une petite équipe qui se renforçait d'un année. C'est ce qu'on a essayé en tout cas. En tout cas, il n'y a pas un soir où je n'ai pas donné le maximum. Et j'ai pris des bides, j'ai fait des chroniques nulles en 7 ans, en quotidienne, franchement, et des fois... on y va en sachant qu'on n'a pas tout le temps le meilleur contenu. J'en parle parfois avec Étienne de Quotidien Carbonnier que j'adore et qui continue là un peu de faire cet exercice-là où parfois on est la télé, les contenus ne nous proposent pas ce qu'on veut. On sait qu'on y va, mais l'important c'est d'avoir donné le max. Mais j'ai pris des bides énormes. En tout cas, il n'y a pas un soir où je n'ai pas essayé de faire la meilleure chronique possible. Vous, vous êtes souvent décrit comme quelqu'un de casanier. Le soir, plutôt qu'aller faire la fête, vous préférez visiblement plutôt regarder la télé sur le canapé, c'est vrai ? C'est complètement vrai. C'est ouais. Je suis arrivé à un niveau, je dis mais vraiment, c'est des fois je passe en voiture. La dernière fois que je suis allé en boîte, je dis ah là c'est la boîte, c'est devenu une auto-école. Je suis ce niveau-là de soirée et de mondanité. C'est ça ma vie. Mais je l'adore. Mais oui, je suis plus casanier, je suis plus tranquille, je suis plus à me faire des séries. Ouais. Toujours au niveau personnel, en 2015, vous devez subir une greffe de cornée en raison d'une maladie génétique. C'est peu connu, mais vous en parlez volontiers. Et vous êtes même investi dans des associations, notamment pour parler du don de cornée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cas ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? En fait, c'est une maladie génétique j'ai de naissance, qui peut être assez courante et qui avant n'était pas du tout possible de traiter. Depuis quelques années, ils y arrivent avec les greffes de la cornée. Donc ça rejoint à la fois les problèmes de vision, les problèmes aux yeux et en même temps tout le monde du don d'organes et tout ça. Et donc j'essaie de sensibiliser au maximum. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très très important. On est donneur, ça a un peu changé maintenant les choses. On est donneur quoi qu'il arrive et c'est si on ne souhaite pas qu'il faut le préciser. Et puis après, il y a aussi une charte quand on a reçu un organe de quelqu'un. C'est, moi, par exemple, c'est les yeux. Je ne dois pas faire de plongée. Je ne dois pas me battre dans la rue. Donc, si quelqu'un est venu pour me péter la gueule, on ne pourra pas le faire. Je suis désolé, monsieur au fond qui est venu clairement pour ça. On ne pourra pas se battre. Voilà, il y a toute une charte à faire. Et je trouve que c'est assez dingue et ça change les choses. Il faut que je fasse le droit maintenant. J'ai un autre œil à greffer. Ouais. Les deux, maintenant, l'autre est atteint. Donc, il faut que je fasse le deuxième maintenant. On revient sur votre carrière professionnelle. À partir de 2017, vous avez envie d'arrêter de participer à l'émission Touche pas à mon poste. Départ que vous annoncez finalement en 2018, le vendredi 20 avril 2018. Tout est un vendredi. Dans l'émission. Moi, je voudrais vous remercier tous. Et voilà, je pourrais avoir un mot pour que chacun d'entre vous m'avait accompagné. J'ai grandi avec vous, j'ai vécu des moments magnifiques, des moments extraordinaires. Même si c'était dur, vraiment, puisque tous les soirs, on vient pour faire rire les gens. C'est un exercice qui est dur, qui est difficile, qui est vraiment prenant, mais qui c'est toute la journée on vit avec ça, il faut être performant le soir, on a la deadline à rendre et tout ça. Tu sais qu'on continuera à s'éclater, on continuera à penser à toi et toi on espère que tu vas te régaler. Je te le dis juste avant de partir, je crois qu'il y a tes équipes avec qui tu as travaillé pendant 6 ans qui t'ont laissé un petit message.
Canis est sans aucun doute un des êtres les plus sensibles que j'ai connus dans ce métier. C'est une grande, grande qualité humaine, donc surtout ne change pas. Camille, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde, les petits comme les puissants. À chaque mot utilisé, chaque vanne, il fait bien attention à ne blesser personne. Ça vous a touché, ces messages des membres de votre équipe ? Ah ouais, bah j'ai pleuré, hein. Moi, je suis là même de le réentendre, parce que moi, il faut savoir, je déteste m'entendre et je déteste me voir. Donc là, peut-être que c'est la première fois que j'entends ma voix en radio. Je me réécoute jamais en radio, je me regarde jamais en télé. Et ouais, c'est un moment émouvant, parce qu'on a rencontré plein de personnes durant cette période, et voilà, ça marque. Mais là, en me réécoutant, je suis quand même border burnout. Hein. C'est entre émotion et le gars en peut plus. Tu sens, hein, c'est dur de faire rire les gens. On sent que je suis vraiment border. Les patrons de TF1, qui sont les anciens patrons de C8, que vous avez donc connus à C8, vous appellent quelques mois plus tard, je crois, ou à ce moment-là. Ils vous font une proposition, présenter l'émission Danse avec les stars, où des célébrités dansent avec des pros de la danse. On vous propose de co-animer la 9e saison de cette émission avec Karine Ferry. Vous vous dites quoi au tout départ ? Bah, je suis très surpris de recevoir ce coup de fil, parce que moi, j'avais pris la décision d'arrêter Touche pas mon poste l'année précédente. Et donc, je l'ai annoncé au mois de juin en disant, voilà, moi, ça sera ma dernière saison dans Touche pas à mon poste, quoi qu'il arrive. Et donc, j'avais pas du tout, moi, les projets de TF1, tout ça. Je savais juste que, voilà, il fallait qu'on arrête. Il était temps aussi de se réinventer tout ça. Et là, j'ai un coup de fil à la fin de saison de TF1 pour me dire, bah, est-ce que tu voudrais animer, faire du mambo avec Liane Folly ? Et du coup, je suis très surpris, parce que je me suis jamais, mais alors jamais projeté, franchement, sur TF1, dans cette émission, et que, à part pour la chronique, quelques extraits, j'avais absolument jamais regardé l'émission. Donc vous doutez ? Réflexion. Ouais, ouais, bien sûr. Je doute de moi, surtout. Hein. C'est-à-dire ? D'abord, je me dis, c'est peut-être un canular de Gérald Dahan ou un truc comme ça. Et je dis d'abord, écoutez, voyons-nous, parce que en vrai, je me dis, bon, ok, c'est bon canular, TF1, Danse avec les stars. Et puis après, je les rencontre, ils m'ont senti capable, et moi, après, je me suis demandé si j'en avais envie. Ben ouais, j'avais envie, et donc on a essayé d'y aller, quoi. Donc vous décidez d'y aller. Au mois de septembre 2018, vous préparez votre premier prime time aux manettes de Danse avec les stars sur TF1. Et vous découvrez, donc en préparant, hein, que c'est une énorme machine, beaucoup de moyens. Ça ressemble à quoi en coulisses, avant que ça parte l'émission ? Franchement, c'est incroyable. Il y a deux émissions que j'ai eu la chance d'animer de ce niveau-là. Parce que c'est quand même intéressant de porter une émission où il y a autant de groupes de métiers, tout ça réunis. Et à la fin, humblement, on essaie de faire que tout se passe bien pour tout le monde. C'est les Energy Music Awards et Danse avec les stars. Voilà, c'est deux immenses machines. Danse avec les stars, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a entre 250 et 400 personnes qui doivent bosser. Je sais même pas si je suis pas en dessous sur chaque prime. Et donc voilà, dès le vendredi, les répètes, tout ça, et faut tout cadrer. C'est grisant. Et puis le direct, c'est génial. Le direct, c'est top. Alors juste avant que ne débute votre premier Danse avec les stars, le samedi 29 septembre, vous vous dites quoi d'un mot juste avant le départ de l'émission ? Bah, je me dis, tout se passe un vendredi normalement, et là on est samedi. Donc petite tuilasse. Et je me dis, franchement, je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit, mais je me rappelle de sortir de la loge qui est juste à côté du plateau, et de dire à mon pote Abdoul et à mes proches qui étaient venus me voir pour la première, quand on se revoit à la fin de l'émission, tout aura changé dans un sens comme dans l'autre, c'est où ça se sera à peu près allé, ou alors je serai une catastrophe, et les gens vont dire qu'on est une catastrophe, parce que il y a de soi de faire ce qu'on a un peu en tête, et puis il y a comment vont le recevoir le public, les journalistes. C'est du direct, il faut y aller, quoi. Merci d'accueillir Camille Combal. Et sa partenaire, Karine Ferry. Bonsoir Karine. Bonsoir Camille. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Wow. Ok. Ah, c'est ça, Danse avec les stars. Ouais, c'est ça. Mais c'est de la folie. Ils sont 11. 11 chanteurs, 11 acteurs. Alors, quand vous animez l'émission, vous dites quoi quand vous êtes pendant le direct ? Je suis pas tracker après. Moi, j'ai pas le track au moment d'y aller. C'est plus avant. J'essaie de me rassurer en préparant beaucoup, en travaillant beaucoup. Moi, j'écris pas mes textes. J'écris pas, je suis pas au prompteur, tout ça. J'ai juste un déroulé de ce que je dois dire, parce qu'à un moment donné, si c'est à Billy Crawford de danser, si je dis, eh ben maintenant c'est à Jules de danser,
C'est parce que vous, il est dans la prochaine saison, Jules Lavie. Sachez-le. C'est un scoop. Et on l'a mis avec Fovoto. Ça va être une folie. J'ai les premières répètes. Faut le voir sur la salsa. C'est un truc de ouf. Et donc, y a quand même un déroulé à suivre qui doit être correct. Il y a un timing aussi à respecter. On est en direct. Il y a les pubs envoyées à un certain moment. Il y a l'huissier, tout ça, les votes. Donc, c'est très carré. Mais après, est-ce que je vais dire à Billy Crawford ? Je sais pas ce que je vais dire. En fait, c'est dans mon truc. Donc, c'est de travailler beaucoup la mécanique pour me rassurer. Mais après, au moment du direct, que ce soit en radio, à la télé ou même sur scène, après, franchement, c'est là où il faut se faire plaisir. Mais même dans Touche pas mon poste, au moment de ma chronique, même quand je prenais des bides, c'était mon meilleur moment. Finalement, vous avez convaincu dans cet exercice. Le Parisien titre quelques mois après, c'est déjà gagné pour Camille Combal. Depuis cette émission, vous avez multiplié les prime times sur TF1 ces dernières années, que ce soit Danse avec les stars, Masked Singer ou encore Qui veut gagner des millions, où vous avez succédé d'ailleurs à Jean-Pierre Foucault. Bonsoir à tous. Émission que vous avez commencé à animer en avril 2020, en plein confinement, et c'était forcément un peu compliqué. Racontez-nous ça. Je crois qu'il y avait un extrait. Oh, il n'y avait pas d'extrait. Vous attendiez un extrait aussi ? Non, normalement, je fais ça. Parce qu'il y a eu un geste de main entre... Hop là ! C'est un vrai souci pour... Je vais le dire. Oui. Ouais, ouais. Sachez-le, si vous écoutez le podcast, il y a eu une sorte de feinte de geste, comme ça, il a repris l'envoi du son. Jules a été très bon. Donc on est pendant le confinement et donc TF1 m'appelle et je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils m'appellent pendant le confinement, les budgets doivent être serrés, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, et ils me disent il faudrait faire Qui veut gagner un million dans ton appartement parce qu'on a des problèmes, il faut qu'on mette des choses à l'antenne, on n'a plus rien. Et donc on se retrouve avec des caméras à faire dans le salon de mon appart, Qui veut gagner des millions avec... Donc, toute une équipe technique, ils cassent tout, quand même, parce qu'à un moment donné, ils disent « Ouais, le tableau là, c'est une marque. » Je dis « Bah, peut-être. » Boum, allez, on arrache le cadre, c'est parti, parce qu'il fallait que tout soit clean le soir même. On a fait du matin au soir. Et avec ma femme, dans la chambre, bloquée toute la journée, parce qu'elle n'apparaît pas dans l'émission. C'est pas en couple que c'est animé, l'émission. Donc, c'est pas possible. Elle n'est pas animatrice sur TF1. Voilà, je vis pas avec Karine Ferry. Sinon, à la limite, tu aurais eu raccord, mais pas là. Ça ne marchait pas. Et donc, elle était bloquée dans la chambre toute la journée. Donc, moi, j'avais tourné depuis chez moi. Bon, on a vécu des moments fous, quand même, avec Valérie Lemercier chez elle, avec le maire de la ville qui sonne chez elle. Elle lui demande la réponse. Donc, le maire de la ville, à la sonnette, lui donne la réponse. Elle revient, elle me donne la bonne réponse. Incroyable. Et donc, ma femme qui, après, évidemment, à 19h, faisait la gueule parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Donc, elle était bloquée toute la journée dans l'appartement. Au niveau personnel, l'événement marquant de ces dernières années, c'est la naissance de votre premier enfant, un garçon, au printemps 2022. Votre épouse, qui elle aussi travaille à la télé, a annoncé cette bonne nouvelle sur Instagram le jour de la fête des mères, l'an dernier, il y a près d'un an, en écrivant « Bonne fête maman, devenir maman m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu, un tourbillon qui renverse tout, le plus beau des miracles ». Vous, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de votre enfant ? J'avais même pas vu son poste. Je te découvre là. Moi, c'était, c'est fou, ouais, c'est génial. Moi, je suis à fond et chaque jour qui passe, c'est encore un peu plus kiffant, je trouve. Est-ce que vous espérez qu'il aura votre humour ou celui de votre papa, Riquet ? Ah, franchement, il fera tout ce qu'il veut. Tant qu'il est supporter de l'OM, moi, c'est tout ce que je veux. Il n'y a pas de « on supporte PSG », je ne sais pas quoi. Pour le reste, franchement, il fait tout ce qu'il veut. Moi, ce que je veux, c'est essayer de faire que s'il a envie de jouer au foot, il puisse jouer au foot. S'il veut jouer au rugby, il puisse jouer au rugby. S'il veut jouer au tennis, après, moi, je vais essayer qu'il joue au tennis. Moi, je joue au tennis pour pouvoir peut-être un jour faire un match avec lui. Mais si ça ne lui plaît pas, moi, je ne vais pas être pushy. Moi, je faisais du ski en compète. On m'a poussé de dingue. C'est dur. Donc, je ne veux pas ça. Moi, il va être tranquille. Là, il y a eu un signe qu'il fallait mettre en son. Ça a marché. Bien, ouais. Bravo, la régie. Bien joué. Là, je parle sur le son. Julien, excuse-moi, est-ce qu'on peut juste renvoyer le tapis pour que je le fasse Je vais reparler. Quoi qu'il arrive, je reparlerai. Sinon, on va le garder. Jules, il n'y a aucune chance que je ne parle pas sur le générique. Je vais refaire le signe qui marche. Julien, t'es prêt? Et c'est reparti. Et vous savez pas, mais c'est que sur l'ouverture de Dals, avec Fovoto, il dansera sur cette musique. Ça sera un truc un peu moderne jazz, un peu contempo, ce sera un contempo. Allez, c'est parti. Merci Camille Combal. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Merci à toute l'équipe de Code Source. Bravo. Clara Garnier-Mourou, Raphaël Pueyo, Ambre Rosala, Pierre Chaffangeon et Claudia Prolongeau.
qui est désormais au micro de Crime Story. Crime Story, un nouveau podcast du Parisien. Restez avec nous tout de suite. Thibault Lambert vous raconte dans un épisode hors série de quelques minutes les coulisses de la fabrication de Code Source, toujours pour fêter notre 1000e épisode. Merci de votre fidélité. Salut, c'est Thibault Lambert, je suis devant les locaux du Parisien, dans le 15e arrondissement de Paris. On est juste à côté de la Tour Eiffel, elle est à deux pas d'ici, mais moi je vais plutôt vous emmener dans les coulisses de Code Source aujourd'hui. Allez, on y va. Voilà, je me dirige vers notre coin réservé dans l'open space. Alors il faut savoir qu'on est entre 3 et 5-6 personnes à travailler pour Code Source, ça dépend des jours. Et sachez aussi qu'il faut au minimum 2 jours pour fabriquer un épisode, sachant qu'on en sort un nouveau chaque soir du lundi au vendredi. Je vous laisse donc imaginer, ça demande une sacrée organisation. Alors là, je vais déranger Ambre Rosala qui travaille à son bureau. Ambre, vous la connaissez, c'est la reporter de Code Source. Une fois par semaine, elle va recueillir la parole de quelqu'un qui a une histoire forte à raconter. Tiens, Ambre, d'ailleurs, tu peux nous dire comment tu repères ces histoires et ensuite comment tu travailles ? Alors la plupart du temps, c'est quand je vois une histoire forte ou une histoire inspirante dans Le Parisien et j'ai envie de le raconter en son dans Code Source. Puis après, je contacte la personne et je cale un rendez-vous pour faire l'interview. Ça dure environ 1 à 2 heures pour qu'on puisse avoir le temps de tout aborder. Et le troisième temps fort de mon travail, c'est le montage et l'écriture. Après, le vrai temps fort, c'est l'heure du déjeuner à la cantine. Hein. C'est moi qui motive les troupes pour aller manger avant qu'il n'y ait plus rien à la cantine. Et le dernier, c'est le goûter. J'ai mes petits camarades qui souvent viennent les poches pleines. Ok, je te laisse travailler, je te laisse nous avertir quand ce sera l'heure du déjeuner. En attendant, je m'approche de Jules Lavie, le rédacteur en chef et présentateur de Code Source. Jules, ta première mission le matin avec le reste de l'équipe, c'est de savoir de quoi on va parler dans les prochains épisodes. Alors, comment tu choisis tes sujets ? Alors, je passe beaucoup de temps sur leparisien.fr et sur l'appli du Parisien pour essayer de débusquer les bons sujets. À quoi on reconnaît un bon sujet ? C'est un sujet qu'on pourra transformer en histoire, en fait, avec un début, un milieu et une fin. Régulièrement, si je lève la tête et je te demande et je demande à l'équipe, est-ce qu'il n'y a pas un sujet évident à caler, un truc qui m'aura échappé ? Et puis, en fait, je passe aussi un peu mon temps à faire mon marché à la machine à café, à la cantine. Je demande aux uns, aux autres, s'ils n'ont pas une idée de sujet, même si ce n'est pas sur leur thématique. Je vais donner un exemple. Un jour, on a fait un sujet sur le groupe de rock ACDC. Et c'est Timothée Boutry du service police-justice qui m'a dit « Ah, vous devriez faire un sujet ACDC et tout ». Bref, donc je l'ai écouté et on a fait ça et c'était plutôt sympa. Donc merci Timothée. Parmi ceux qui viennent le plus régulièrement dans Code Source, il y a Emmanuel Marolle, le chef du service culture du Parisien. Emmanuel, quand tu vois Jules arriver vers ton bureau, tu te dis quoi ? Je me dis ça y est, il va me demander si on a des sujets en cours qui pourraient faire l'objet d'un Code Source. Donc on commence à parler déjà de tel ou tel artiste. Alors je sais que Jules, il aime bien qu'il y ait une forme de dramaturgie. Et donc voilà, je commence à lui faire un petit pitch en fait. Et je vois si son œil commence un petit peu à briller ou pas. Et puis à partir de là, on commence à travailler là-dessus. Il va nous donner une trame et puis voilà, après nous on prépare et c'est parti. Et c'est parti. Emmanuel Marolle, le jeudi 26 mai, le groupe Dépêche Mode annonce la mort de l'un des membres fondateurs. Oui, le groupe... Jules, une fois que tu as envoyé les questions, environ 25 questions, c'est l'heure d'enregistrer. Alors comment ça se passe globalement ? Alors, ça se passe globalement bien déjà. Et le truc, c'est que je demande aux journalistes du Parisien de ne pas lire un texte. L'idée, c'est qu'ils n'aient pas écrit les réponses à l'avance, mais que pour chaque question, ils se soient dit « Bon, là, je vais raconter ça, là, je vais plutôt raconter ça. » Pour que ce soit improvisé, pour que ce soit parlé. Donc forcément, c'est un petit peu long, c'est-à-dire qu'on s'y reprend à plusieurs fois, etc. Mais on le fait en pensant aux auditeurs, aux auditrices, parce qu'on se dit que s'il y a des petits blancs, s'il y a des hésitations, comme là je suis en train de le faire, en train de vous parler, et bien du coup, ce sera plus agréable à écouter que si c'était juste un texte lu.
Bon, Emmanuel, ça reste entre nous. Il est comment, Jules, à l'enregistrement? Il a des idées assez précises de ce qu'il veut et surtout de la façon dont il veut raconter son histoire. Delgan, on va lui faire faire ses problèmes de santé. Non, et en tout. Fait, c'est pas. Et on y est 10 ans avant. Ça va pas? C'est ce que je t'ai répondu, ça va pas. C'est ça, voilà. En fait, je leur fasse carrément. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Il nous pousse à raconter des choses un peu personnelles, donc je pense que c'est ça aussi la qualité de Code Source. Il y a des enregistrements qui peuvent être laborieux parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on patauge. Einstein's, je vais réussir à le dire. Des groupes allemands comme. Vas-y, reprends. Ça m'est arrivé de dire à Jules, oh là là, c'était compliqué là aujourd'hui, ça va pas être terrible et tout. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et effectivement, ramasser sur 20 minutes, ça passe tout seul et c'est très bien comme ça. Et là, je rejoins Clara Garnier-Amouroux. Clara, tu fais plein de choses différentes à Code Source et notamment du montage. C'est-à-dire que tu vas mettre en forme l'interview que Jules vient de tourner avec les journalistes. Au départ, quand tu récupères le son brut de l'enregistrement, il dure combien de temps? Quand ça se passe bien, ça dure 45 minutes. Là, on est content, la journée va bien se passer. Quand ça se passe moins bien, ça dure 1h15. Et là, la panique commence à s'installer parce qu'en fait, mon boulot quand je fais du montage, c'est de réduire cette 1h15 ou ces 45 minutes à 17-20 minutes. Et puis après, c'est tout un travail de nettoyage parce que quand on parle comme ça, de manière un peu en impro au micro, et ben on a plein de tics de langage en fait. On dit des « e » tout le temps, on se reprend et tout ça. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de faire un montage le plus fluide possible. Le but étant vraiment de se dire « oh là là, mais il parle trop bien ce journaliste ». Et tout ça, ça prend au moins 3 heures, mais on a un champion dans l'équipe, Raphaël Pueyo, titulaire du record du montage le plus rapide. Raphaël, combien de minutes? Alors de mémoire, mon record, je crois que c'était 42 minutes pour un épisode. J'avais dû faire le montage très rapidement en fin de journée. Moi, mon secret, c'est de monter en fait en accéléré. C'est-à-dire que là, on va entendre le son en vitesse normale. En juin 2021, la Zara publie un autre titre qui va cartonner. Ça s'appelle « Tu t'en iras ». Et moi, en fait, quand je fais un montage, je monte à cette vitesse-là. En juin 2021, la Zara publie un autre titre qui va cartonner. Ça s'appelle « Tu t'en iras ». Alors là, c'est vraiment le gros tube qui peut passer sur l'énergie et qui passe sur l'énergie toute la journée. Alors, ça fait déjà plusieurs années que je monte comme ça. Pour l'instant, ça va, je ne suis pas devenu fou. Des fois, on doit monter un sujet du jour pour le lendemain. Et donc, on est un peu forcé aussi de travailler comme ça. Alors à présent, je me tourne vers Emma Jacob. Emma, tu es alternante cette année à Code Source. Tu termines tes études de journalisme. Une fois qu'on a fini le montage, on n'a pas fini de travailler. Il reste à faire ce qu'on appelle les archives. Et c'est très important. Oui, les archives, c'est un peu la touche finale de chaque épisode. Le but, c'est de trouver vraiment des extraits de JT, d'émissions spéciales, de reportages qui vont permettre d'illustrer le sujet et de rendre plus vivant et plus attrayant les épisodes. Une fois que le montage est bon, que les archives ont été trouvées, le lendemain, c'est Julien Moncouquiole, le réalisateur de Code Source, qui s'empare de l'épisode. Julien, à ce moment-là, toi, tu réécoutes tout pour t'assurer du sens, tu améliores les voix et l'une de tes missions, c'est aussi d'habiller l'épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer ? L'habillage, en fait, va venir souligner des émotions. Du coup, si vous voulez un petit exemple, si je prends un épisode fait divers et que je le mets avec une musique qui n'a rien à voir, ça donne ça. L'autopsie, elle va permettre de déterminer que la cause principale, c'est une suffocation, mais une suffocation assez particulière. On a enfoncé sa tête dans le sable. C'est un exemple un peu pris à l'extrême, on se rend compte que c'est complètement absurde, ça fonctionne pas du tout. On va devoir essayer de trouver la bonne tonalité pour que ça donne plutôt quelque chose comme ça. L'autopsie, elle va permettre de déterminer que la cause principale, c'est une suffocation, mais une suffocation assez particulière. On a enfoncé sa tête. Donc dans ces exemples, le ton est assez facile à trouver puisqu'on parle d'un meurtre. Donc on va aller dans des musiques qui évoquent plutôt ce côté noir, morbide. Il y a certains épisodes où c'est un petit peu plus compliqué parce que la tonalité est un petit peu plus complexe à trouver. Et donc il y a cette recherche qui est effectuée pour trouver le ton juste. Et une fois que l'épisode est prêt, il reste à trouver un bon titre, une bonne photo, un bon pitch. Et on le publie sur toutes les plateformes d'écoute, sur leparisien.fr aussi, à 18h. Mais ça, c'est quand on y arrive. Voilà, vous en savez plus sur les coulisses de Code Source. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser à cette adresse codesource@leparisien.fr. À très vite.